On se retrouve sur le plateau de Punchline, CNews Europe 1. Qu'attendent les Français après cette élection, après ce deuxième tour de la présidentielle? Ils ont des questions très précises, des préoccupations extrêmement importantes. Explication Valérie Labonne, on en débat ensuite. Quel qu'ait été leur vote lors de ces élections, tous n'ont pas voté par adhésion pour le nouveau président. Alors qu'Emmanuel Macron s'engage pour un second mandat, voici leurs principales attentes. Ils souhaitent tout d'abord qu'il joue le rôle d'un rassembleur dans une France qui leur est apparue divisée. Trop de divisions entre, j'ai l'impression qu'il y a les riches d'un côté, vraiment les pauvres de l'autre, et les gens, on va dire, normaux qui ne savent pas trop où aller, donc voilà, une cohésion par rapport à ça, surtout une solidarité. J'aimerais bien qu'il fasse un peu plus pour les femmes et les jeunes, ce qu'il n'a pas fait avec le premier quinquennat, on verra bien ce qu'il va faire. Vient ensuite un thème essentiel très peu abordé lors de la campagne électorale et sur lequel il est très attendu, celui de l'écologie. Beaucoup de choses qu'il n'a pas fait sur l'écologie, l'environnement. Je suis attentiste et sceptique. Sceptique parce que prononcer le mot écologie, ce n'est pas du tout avoir un programme qui prend en compte l'écologie. Enfin, il y a une des principales préoccupations des Français, celle du porte-monnaie et du pouvoir d'achat. Il y a le pouvoir d'achat, il y a pas mal de choses. Moi, je suis à la retraite, j'ai une petite retraite. C'est un souhait. Alors comment je vois, je ne sais pas, je n'ai pas la boule de cristal, mais je souhaite, c'est ce que j'allais dire, qu'on ait un meilleur pouvoir d'achat. Le président de la République va devoir rassurer sur ces sujets dans les prochains jours, s'il veut rassembler avant les prochaines élections législatives. Prisca, le président Macron II sera un président de crise, finalement? Il a été aussi oui, un président de crise pendant le premier quinquennat. Rappelons-nous, effectivement, il y a eu les crises des Gilets jaunes, mais surtout la crise de la Covid. Et puis en ce moment, la guerre en Ukraine qui, d'ailleurs, se poursuit. Force est de constater qu'il faut être capable d'être capitaine en vent calme, partant de tempête. Et ça, il l'a démontré. Maintenant, ce qu'il a rappelé aussi hier, juste après sa réélection, c'est que ce quinquennat qui débute aujourd'hui ne s'inscrit pas dans la simple continuité du quinquennat qui s'est achevé hier. Bien évidemment, il y a une logique de vision, de projet de pays, un pays qui doit se réindustrialiser, un pays où on continue à mettre l'emploi au cœur de la vie des Français, un sujet d'éducation et bien évidemment d'écologie. Mais il y a aussi une méthode sur laquelle nous avons entendu, qu'il y avait peut-être par moments un sentiment ou une réalité de verticalité trop importante. Et donc ça, il faut pouvoir l'entendre, il faut pouvoir y répondre parce que le président de la République a été élu par une partie des Français qui ont voté pour lui par conviction, mais aussi une partie qui ont voté pour faire barrage, et puis surtout une partie qui n'ont pas voté pour lui et d'autres qui se sont abstenus. Et ça, aujourd'hui, il faut composer avec tout ça et rassembler surtout pour commencer, en finir avec ces fractures qui minent notre pays. Ça fait presque les deux tiers du pays qui n'ont pas voté pour lui. Yann Uzaï. Oui, il faut rassembler et rassurer. Alors, j'allais vous dire, c'est mal parti, il a mal commencé. Si on revient sur la question des retraites, il a dit pendant la campagne, je ne suis pas opposé à un référendum. Ensuite, il a dit, non, finalement, il n'y aura pas de référendum sur la question des retraites. Et puis ce matin, vous avez Bruno Le Maire qui dit, je n'exclus pas l'utilisation du 49-3. C'est pas de cette manière-là que vous allez rassurer et rassembler ceux qui n'ont pas voté pour vous. C'est pas de cette manière-là que vous vous adressez aux Français pour leur dire, je n'ai pas l'intention de vous brusquer, on va faire autrement. Pour l'instant, ce que je vois, c'est exactement ce qui s'est passé depuis 5 ans. Ça ne veut pas dire que ce sera le cas pour la suite du quinquennat. Il a été réélu hier, laissons-lui le temps. Mais pour l'instant, dans la manière de faire, c'est vrai que je ne vois pas, en tout cas, le gouvernement en place, et notamment Bruno Le Maire, en train de rassurer les Français, très très clairement. Or, l'objectif, c'est clairement celui-là. Enfin, je discutais avec un membre du gouvernement il y a quelques jours, et cette phrase m'a marqué. Il me disait, l'enjeu, ce n'est pas de savoir s'il y aura une crise, c'est de savoir quand est-ce qu'elle aura lieu. C'est vous dire s'ils s'attendent quand même à ce que le quinquennat qui arrive soit extrêmement difficile. Ouais, mais permettez-moi, s'il vous plaît, 2 secondes, pour revenir sur, effectivement, le propos du 49-3 qui occupait beaucoup aujourd'hui les débats et qui est important, effectivement. Mais je pense qu'il ne faut pas enlever cette phrase de toute l'interview qui a eu lieu autour de Bruno Le Maire sur le sujet des retraites. Il a été interrogé en long, en large et en travers sur le sujet et il a, dès le début, expliqué que l'enjeu était d'avoir une consultation, une concertation. Pourquoi? Parce qu'il en va du système de solidarité des Français. Et permettez-moi simplement de lire ce qu'il a répondu quand on l'a spécifiquement, en fin d'interview, interrogé sur le sujet du 49-3.
et c'était que sur cela. Il a dit, je ne peux pas vous donner de garantie, parce qu'il ne va pas mentir, effectivement, il n'est pas Premier ministre, mais il le dit clairement, je ne le souhaite pas. C'est certain, je ne le souhaite pas. Cette réforme doit se faire avec des discussions, du dialogue et parvenir à un compromis. Mais c'est précisément ce que j'ai dit, il ne l'exclut pas. Il ne l'exclut et pas. On précise pour nos téléspectateurs et auditeurs, le 49.3, c'est une manière de passer en force et de forcer le Parlement à adopter une loi. Julien Drey. Je pense que la question, c'est pas de jouer à se faire peur en disant les crises vont arriver. Bon, on sait l'état de la France, on sait que de toute manière c'est explosif. Voilà. Alors, il y a des priorités. Moi, je pense que la question de la jeunesse est une question importante. Que les jeunes ont été quand même malgré tout les grands absents de cette campagne présidentielle. Ils ont gardé. Alors, ils se sont mobilisés à la fin, c'est vrai, mais ils ont eu le sentiment quand même que c'était un spectacle où ils n'étaient pas les acteurs. Quand il y a en plus 2 ans de Covid où les pauvres, on les a enfermés. En leur disant, voilà, avec des conditions de précarité terribles, hein, je veux dire, la vie d'étudiant à 1 euro par jour, c'est quand même difficile. Donc la question de la jeunesse, la place qu'elle a, la manière dont, par ailleurs, on remet l'école sur ses pieds, le projet éducatif, parce que ça n'a pas été discuté dans cette campagne présidentielle, mais la question scolaire, elle est importante. On a une école qui ne va pas bien. Plongez-vous dans les programmes scolaires, et d'après moi, vous allez les uns et les autres avoir des colères folles, quoi, je veux dire. Et on voit bien que ça ne marche plus. Moi, je ne comprends plus rien. Parcoursup, c'est une affaire qui tient pas debout, voilà. Donc la question du projet éducatif est importante, d'après Jean, question du projet culturel. Donc la question pour Emmanuel Macron, c'est pas de, d'après moi, c'est pas de se faire peur en disant les crises, c'est de savoir comment il va faire pour que ce qu'il fasse redonne un sens et remobilise le pays. Et donc là, il y a effectivement à bien cibler les choses. Gabriel Cluzel. Non, mais sur l'école, je partage votre avis, mais qui a déconstruit ça méthodiquement c'est tous les pédagogistes de gauche depuis des dizaines d'années, pardon, parce qu'il faut rendre quand même à César ce qui est à César. C'est vrai que c'est un désastre, mais néanmoins, chacun porte ses responsabilités, et depuis de nombreuses années, et c'est de fait un enjeu, et qui a été finalement un échec patent du précédent quinquennat. Donc il va bien falloir s'y atteler d'une façon ou d'une autre. Je me souviens qu'il y avait beaucoup d'espoir placé dans Jean-Michel Blanquer, et qui malheureusement n'ont pas été suivis d'effet, puisque là aussi on retricote ce qu'on a détricoté. Maintenant on va remettre les maths dans le tronc commun. C'est une bonne idée, mais c'est dommage, on les a enlevés. Moi, ce qui me frappe, c'est aussi les trois fractures principales, qui vont être quand même difficiles à combler et qui sont le fruit de cette élection. C'est la fracture générationnelle, mais qui fonctionne d'ailleurs un peu ensemble, hein, le niveau de vie, le pouvoir d'achat, parce que c'est vrai que ce qu'on appelle communément, c'est un peu péjoratif, mais néanmoins les boomers, les retraités qui ont pu voter pour Emmanuel Macron sont plus à l'aise financièrement. Ils ont profité d'une période qui a été plus pas tous, hein, soyons très clairs, parce qu'il y en a qui ont des toutes petites retraites, mais peut-être plus fastes, ou qui sont perçues comme telles. Et puis il y a les villes et les campagnes, et ça, c'est pas réconcilié, hein, ça c'est clair. Et puis évidemment, les CSP+, les riches qui deviennent de plus en plus riches, et les pauvres de plus en plus pauvres, et là non plus, c'est pas résolu. Et ces trois fractures-là, elles sont quand même évidemment explosives. Presque à Thévenot, le dernier mot. Oui, non, mais j'entends tout à fait. L'enjeu, encore une fois, c'est pas de mettre la poussière sous le tapis. Et encore une fois, les sujets sont importants. Le pays, bien évidemment, connaît des fractures. Nous avons commencé à y répondre au cours des 5 dernières années, notamment sur l'emploi, entre les personnes qui n'avaient pas d'emploi, celles qui en avaient, sur le sujet de l'éducation, avec un certain nombre de mesures qui ont été mises en place, le dispositif de voir fait, le dédoublement des classes, les petits déjeuners gratuits le matin. Mais bien évidemment, il faut continuer, il faut avancer. Et encore une fois, je pense que là, l'enjeu, ce n'est pas de se dire que ça, on n'y arrivera pas. Au contraire, nous devons y arriver, non pas pour se dire que nous avons raison, mais parce que les Français le demandent. Alors un dernier mot peut-être, Julien. Mais il ne faudra pas oublier les corps sociaux, parce que ça a été l'erreur, d'après moi, du premier quinquennat. Je veux dire, la question du pouvoir d'achat, elle doit se discuter sérieusement avec les organisations syndicales. Il faut faire un sommet social sérieux, il faut mettre en place des règles nouvelles de partage des richesses. Si le président de la République essaye de contourner les corps sociaux, il aura à nouveau des gros problèmes. Et la réforme des institutions qui est devenue indispensable. Absolument. Tous ces chantiers sont sur la table du nouveau président de la République. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 pour la suite des débats de Punchline. Et sur CNews, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'Info. Bonne soirée sur nos deux antennes. Laurence Ferrari sur Europe 1.